Eh bien, salut tout le monde. Non, pas moi, c'est Marc Dubin. Abdou, bienvenue dans Mitan Kafoua. Bonjour tout le monde. Bon, et moi-même, c'est Alain Jean-Pierre. Moi, j'ai fait Pétionville le 28 septembre 1960. Moi, j'ai fait toute prime Pétionville avec toute jeunesse, moi, Pétionville, jusqu'à ce que je m'étudie et bâti étudier. Donc, moi, bien content dans Mitan Kafoua avec vous. Nous saluons tout le monde, non pas moi, c'est Marc Lubin. Nous connaissons que dans mi-temps qu'à fois, nous recevons des Haïtiens ordinaires qui font un travail extraordinaire. Des gens qui humbles, qui parlent mais parler de tête. Et c'est ça qu'ils ont fait, qui parlent de yo. Et des fois, ils n'ont pas même les doux qui ça fait. Et tout ça qu'ils ont fait, c'est pour valoriser la nation haïtienne. Non? Pour valoriser ou pour valoriser. Et ça qui fait que les gens, c'est les gens pas nous. Nous menons sur le podium mi-temps qu'à fois pour nous faire un petit parler avec eux. Yo font échange avec nous, yo partager vie privée yo, vie professionnelle yo avec nous. Et là, en pile nan nous a joine des bagages que yo pral di qui pral influencer yo, qui pral inspirer yo, ou même tout ou ek ou ka font effort, ou même tout ka continuer valoriser tête ou, valoriser pays ou, valoriser nation. Moun sa yo, c'est moun pa nou yo. Ce sont des role models qui existaient déjà. Nous pas créé yo nan mitan kafwa. Nous allons chercher yo, nous mener yo sur podium mitan kafwa pour capable partager avec vous expérience la vie yo. Et c'est dans sens ça jodi a que n'a recevoir yo role model pa nou, c'est Alain Jean-Pierre. Qui est-ce qui Alain Jean-Pierre? Rapidement m'a dit Monsieur, c'est secrétaire général Comité national olympique haïtien. Monsieur, c'est trésorier NACAC, Confédération nord-américaine, centre américain et caraïbéen. Et monsieur, c'est président Confédération, alors des associations d'athlétisme d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Ou ça me dit là, tout ça me cité là, c'est moun avec titre que le gagnant, c'est servi moun fait promotion pour moun, investi dans bien-être moun fait promotion pour tête yo et pendant que y a fait promotion pour pays yo. Alain Nabdou, merci pour travail qu'on fait déjà et qu'on va continuer faire. Et Nabdou, bienvenue dans Mitan Kafoua. Comment y est? Moi très bien, Marc. Merci pour recevoir dans Mitan Kafoua aujourd'hui. Et moi là, m'attend question yo, m'attend ça nous envie partager ensemble. Eh bien, ça nous toujours partager. Première question. Alain, qui koto fait? Qui moun nou ye? Parlez-nous de vous. Bon, moi-même, c'est Alain Jean-Pierre, comme je me dis, là, moi, fait Pétionville. Moi, fait la coupe. Ça veut dire grand-parents, arrière-grand-parents, de la coupe. À l'époque, la coupe, c'était un village dortoir de Port-au-Prince, c'est là où on a passé vacances. C'est ça, mais les Pétionville, je vous dis. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est les originaux de Pétionville, les Devilmé, les Alvarez, les André, les Bayerjou, les Kébou, etc. Donc, les Mainville, c'est grand-parents, moi. Donc, c'est groupe, mon sao. Forme d'une époque, moi, de Pétionville. Et Rue Faubert, qui, côté grandi, c'est ton ravine. Et puis, tout le monde de Pétionville était à Roche, à Paris, pan-américaine. Mm-hmm. Donc, c'est ça, moi. Donc, moi, grandi, l'ambiance, côté, c'est sport, c'est primordial, vie jeune garçon. Parce que, je suis comme moi, mais de modèle. Pedro Bess, Fafa Alvarez, Michel Pierre, Raphaël Pierre, Lekebo, Asli Pierre, etc. qui formé noyau monde qui t'a formé jeune et Pétionville. Donc c'est là moule ça que forme. Alors et si n'a parlé au dim là tu gagne pile route wash ça veut dire que bon tout le monde connaît mon qui habitué à Pétionville connaît j'ai galette des pour nèg douce autre Pétionville mando qui galette qui boit la caillou et puis nèg a commencé bon description galette dit bon moi qui côtoyer. Alors c'est que l'école quand on commence l'école ou? Bon moi bon, commencé l'école moi et caille frère Pétionville sur place Saint-Pierre. C'est là moi commencé, me fait deux premières années ensuite moi descends Saint-Louis de Gonzague. Je fais toute classe dans Saint-Louis de Gonzague, jusqu'à deux classes dans Saint-Louis de Gonzague pour un incident qui arrive en Haïti. Sixième, cinquième, je fais en France, je retourne en Haïti, je fais philo, terminal. Je fais première année génie dans la faculté des sciences au Prince. Ensuite, je finis par l'école génie à l'université de Porto Rico, côté de fonds licence en mathématiques et génie civil. Ensuite, je suis parti à New York, je prends au master en faire economic engineering, planning, planification, etc. et puis marketing. Donc, c'est trajet moins plus ou moins au point de vue académique. Ensuite, bon, moi-même, au point de vue sport,
moi-même, moi formé première équipe, moi fondé première équipe football, même de 9 ans, c'est Santos Football de Pétion, Santos Football Club de Pétionville, qui était venu une institution à faire football Pétionville, qui l'a toujours nommé Santos Football Club que Nelly Bourou a dirigé. Donc, c'est l'âme commencé carrière sportive, vraiment. Mm-hmm. Et jusqu'à ce que je vienne là, le Comité international olympique, la Panaméricaine, Confédération panaméricaine de sport, et que c'était côté de son membre. Donc, c'est pour ça que la trajectoire mienne là a fait sport. Et c'est que je vais regarder où c'est secrétaire général du Comité national olympique d'Haïti. Et des fois, il y a un pilote olympique qui passait, il y a des fois un haïtien, il y a des pas un haïtien. Et puisque nous avons un comité qui existait, ça veut dire que nous devons un athlète et nous avons un athlète. Mais il y a des fois difficile parce que il y a un pile monde qui a une opinion sur ce qui a passé, mais il n'y a pas comment un comité olympique y est, comme un athlète qualifié pour l'Allemagne olympique, qui ça un pays doit gagner pour participer dans un tournoi olympique. Détail ça aujourd'hui, je connais qu'on connaît. M'tare mais qu'on partage là avec nous pour éducation tout le monde. Pour prochaine fois, on fait analyse. L'an olympique a fait et puis ouais c'est deux athlètes haïtiens là ou bien c'est trois là ou bien pas gagné du tout qui s'acrivé peut-être qui a fait que nous pas participer dans tout. OK, première correction d'ailleurs mais pour te et tout d'abord a été participé dans toute olympiade qui fait depuis 1924 sauf en 1980 avec le boycott des jeux olympiques de Moscou que Haïti pas participé, Haïti participé dans tous les jeux olympiques. Eh bien, Alain Abdou, merci. Et parce que dans le temps, il faut valoriser tout athlète haïtien. Yo. Et puis, vous êtes capable de non tout athlète haïtien qui est censé qualifier et qui est en préparation tout pour aller dans l'Olympique représenter le pays pour valoriser nous, valoriser tête yo, et puis faire valeur nous dans la compétition. Ça. C'est qui est-ce? Au fait, je dis, si par exemple, Jeux Olympiques, en fait, demain matin, il y a 4 athlètes qui sont qualifiés. C'est Philippe Metellus. En judo, 67 kilos. Et Ayala Alisson, taekwondo, 53 kilos. Et en athlétisme, t'as gagné Vanessa Clairvaux et Jeffrey Jolmis, qui t'a qualifié. Mais Fomjo, avec problème coronavirus, là, que j'ai campé suite tout la qualification, mais nous avons l'autre athlète qui va chercher qualification de tout. C'est-à-dire que dans la boxe, nous avons 6 personnes qui vont chercher qualification. En judo, nous avons l'autre monde. Et sélection football masculin U23 qui U24 l'année prochaine parce que FIFA a autorisé jusqu'à 24 ans à pratiquer ses qualifications. Et en athlétisme, nous avons Marc-Daniel Olivier tout qui pratique ses qualifications ainsi que Blair. Donc, c'est situation, état actuel des lieux pour journée aujourd'hui. Eh bien, on a valorisé tout le monde, ça, on a mis tant qu'à foi, et on a valorisé le travail qu'on a fait avec tant qu'on bail et l'argent qu'on bail et tout le monde qui a aidé au Kembe Mounsa. Non, entraînement, jusqu'à ce que l'Olympique la l'ouvre, et m'kwe foi ça, Haïti pral valoriser tête li pral valoriser athlète yo, à partir de support que nous tous préparer et prêts pour bail et équipe olympique haïtien. Le mouvement olympique a connu une coupure, non pas une coupure, un changement à partir de 1992. Mm-hmm. Pourquoi? Au début, lors des paralympiques olympiques, on est inscrit et on allait. À l'époque, c'était 3, 2, 4, 5 000 athlètes. Et vu l'importance que les Jeux olympiques de Vancouver se prend à partir de 1984, les Jeux olympiques de Los Angeles, côté nombre d'athlètes n'a pas augmenté. Mm-hmm. Donc, CIO a décidé de mettre une limite de 10 500 athlètes pour participer à jeu. Donc, à partir de 1992, il faut qualifier qu'on y a pour aller aux Jeux olympiques. Donc, c'est là que les difficultés ont commencé pour le pays Pipitio. Et Haïti toujours qualifié des athlètes, que ce soit en athlétisme, en taekwondo, en judo, parfois en boxe, non qualifié de trois. Mm-hmm. Donc, Haïti toujours participé. Deuxième bagaille, tout, c'est la connotation. Lors par un athlète participé, il y a toujours bonne chance de venir avec un ou deux invités. Donc, j'espère que nous comprenons que Haïti toujours participé dans le jeu. Mm-hmm. J'espère que tout le monde que Haïti a remporté 2 médailles olympiques déjà. Mm-hmm. Donc, et 2 médailles olympiques, ça, je vais vous faire un rappel sur le monde qui est sur le OK. Yon, c'est Silvio Kator. Mm-hmm. Silvio Kator, au fait, une histoire autour de médailles Silvio Kator là. Silvio Kator à l'époque t'a fait saut en longueur, il remporte médaille d'or là, mais il disqualifie le saut, yon saut.
parce que t'es volé plus loin que américain, t'es super favori. Donc, il retire médaille d'or, là, mais si le 14, il met médaille d'argent pour jouer olympique, ça. Wow. Ensuite, l'autre médaille que nous prenons, c'est une médaille en tir, l'équipe de tir de l'armée d'Haïti. Mm-hmm. Qui t'es prend médaille de, d'argent et de bronze de médaille, là, et tir en 1932. Mm-hmm. Donc, c'est deux médailles, ça, que Haïti prend. Mm-hmm. Dans les Jeux olympiques. Et autre chose pour mieux connaître, les appareils, on a parlé en pile, Haïti, c'est le premier pays caraïbe qui prend une médaille olympique. Mm-hmm. Et yon nan bagay, qualification, participation ou athlète, ça a mandé en pile entraînement et ça a mandé en pile démarche qui pou fait. Est-ce qu'on cap ban nou ti détails sous ça? Parce que si on par exemple, si on moun parle dans la natation, par exemple, OK, gen question de équipement, gen question de qualification pour moun nan t'arrive. Et comment ça a fait? Bon, m'a dit premier bagage c'est fédération nationale et discipline. M'a prend par exemple discipline pamlan qui c'est de l'athlétisme que connaît bien et par exemple moi gon équipe athlétique. Maintenant, yo pour me qualifier, faut athlète là gon minimum standard pour le faire. D'ici là pour courir par exemple 100 mètres, faut le faire plus bas que 10 secondes 30 pour le qualifier pour l'enjeu. Ouais. Et maintenant, s'il a fait saut en hauteur, faut le faire minimum 2 mètres 5 pour le voler, minimum pour le qualifier. Donc, dans des compétitions officielles que vous mettez, donc c'est au cours de, c'est pas si t'as la carrière, vous dites, ah, me fait 2 mètres 5. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est des compétitions officielles qui listent le calendrier mondial, Fédération Internationale d'Athlétisme, qui permet tout et qualifier. Donc, faut aller dans la compétition, ça y est, pour qualifier. Faut entraîner. Donc, un athlète qui qualifie qu'à l'enjeu olympique, ça m'a dit en pile financement, en pile support technique, en pile cob. Et, ma banon petit exemple, je calculé, après les Jeux olympiques de Londres, avec le nombre de médailles que l'Angleterre déprend, et quand c'était cob dépensé pour préparer la tête, je t'ai dit que, on médaille d'or coûtait 50 millions de dollars. Ça veut dire, pour gagner une médaille d'or, pour certaines équipes, pour certains mondes, ça, il a dépensé pour la préparation athlète durant 4 ans, 50 millions de dollars. Donc, voici ce que coûte une médaille en moyenne pour gros pays. Alors, c'est que le map gade ou même qui sacrifie vie ou, qui a cherché athlète, qui permet que minimum d'entraînement pour yon bail jusqu'à ce que nous toujours qualifiés pour nous paraître dans l'Olympique, quel que soit côté la fête. Comment on fait faire? Est-ce que c'est Kobao? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est Zami qui aide ou avec job ça a remé fait pour capable valoriser pays ou et valoriser athlète qu'on connaît valable même à tout l'autre athlète dans tout l'autre pays? Ok, ma bonne petite anecdote avant de développer ce type-là. Est-ce que nous connaissons par exemple Silvio Cato pour le Jeux Olympiques d'Anvers à côté de l'été pour un médaillien, son machine que le gagne que le vend pour le parti, pour la, parce qu'à l'époque c'était l'un bateau pour te parti, ou font moins et demi sous l'eau, moins et demi sous l'eau, niveau logique, etc. Donc son machine que le gagne le vend avec un terrain pour le réussir à gagner comme la main pour le Jeux Olympiques. Pour que ça me fait un édocte ça, pour me dire nous que rien pas changé, que l'État pas occupé à fait sport, à fait qualification, athlète et dans les Jeux olympiques ou bien quelque soit discipline. À part football, qui sont bagarres à part, l'État n'a pas comme pour sport en Haïti. Donc, ce sont des bénévoles, des mondes fous qu'en commun, ou des mondes fous qui en sport, qui cherchent moyens pour aider athlètes qui ont entraîné, qui passent sur qualification. Heureusement, il y a un comité international olympique qui, avec la vente des jeux, la vente des droits des jeux, générer un pile d'argent qui est des comités nationaux olympiques, par exemple, qui est des comités nationaux olympiques haïtiens, qui va au COP pour athlètes. Actuellement, nous avons 6 athlètes qui ont entraîné Miami, côté nous avons entraîné américains et que nous payons tous les mois, et athlètes parmi lesquels, parmi les athlètes qui ont des grants, des bourses, que nous recevons chaque mois pour entraîner et pour participer à la compétition, qualification qu'a fait autour du monde pour aller en Jeux olympiques. Mm-hmm. Donc, grosso modo, c'est comme ça que nous financer sport là en Haïti. Mm-hmm. Alors, c'est que là, au fin du mot qui attire l'attention, vous dites que c'est moun fou qu'en courant. Mais, en pile dans moun fou qu'en courant, c'est eux-mêmes qui valorisent le pays. C'est eux-mêmes qui valorisent en pile l'autre monde. Ils n'ont pas même quoi
valoriser tête yo pas même les moun konnen ki sa ke yo fait et c'est ça que fait jodi a ou sou podium mi tan ka fwa c'est que l'or dit ça parce que l'or dit ça qui est moun nan famille ou entre maman ak papa ou pi semblé parce que pas ka arrêter pour jon ya pour pas gen yon moun nan famille ou mais un moun en dehors de famille ou qui influence ou pour que ou ka gen ça la caillou vouloir aider et faire la promotion de l'autre. Mon cher, c'est toute famille qui est comme ça. C'est comme ça nous vivons, c'est comme ça nous vivons, c'est comme ça nous débouons. Et bon, on bagaille comme nous, pas mal de semaines, nous bien là, par exemple, nous avons des écoles, nous avons 250 petits mondes en Haïti, qui n'ont pas aidé, qui mangent dans l'école là, qui peut apprendre, il va payer un bout, mais c'est 250 petits mondes. Seul son besoin pour venir dans l'école là, c'est qu'on va avoir les moyens. C'est ça seulement, nous demandons pour Timoun yon inscrit à l'école là. Donc, c'est le genre de travail ça, comme toujours, maman m'a fait, grand-mère, papa, semaine, ouais, par exemple, semaine, ou écrivain, qui vient de l'école sous le Carrefour, de l'école sous Grand Rue, côté le bail coup gratis, les deux Timoun yon. Donc, c'est comme ça nous vivons. Alors, Alain, l'autre dit Moun sa yon, il faut qu'on ben nous. Non moun sa yo, parce que moun sa yo nous mérite valoriser dans mitan kafwa. Bon non sa yo là et puis n'a pas ajouté nous valoriser dans mitan kafwa. Somme là il est Yannick Lyons. Yannick Lyons nous valoriser dans mitan kafwa. C'est moun qui gagne un paquet de prix dans littérature française et bon sur Google non li wa li. Yannick Lyons donc papa c'est le berger Jean-Pierre qui mourit malheureusement, maman Fernand Jean-Pierre qui bon. C'est mon ça que toujours gagne un exemple en vie. Et n'a pas gagné Yannick bientôt tout parce que Yannick est actuellement là soit le Martinique ou bien Guadeloupe pas vrai côté que la présente en cours dans l'université. Il était supposé malheureusement avec problème mais qui vient tomber dernièrement yo aéroport fermé etc etc donc on connaît il pas qu'à déplacer d'Haïti. OK. Mais comme du tout et par contre c'est au courant que son monde que le nom doit d'université une université à Paris. Yo. Oui. Et ça fait que très bientôt n'a pas gagné parce que tout ça le fait c'est valoriser nous, valoriser tête, valoriser famille. Alors là, parler de prime ou même c'est comme si vous voulez tout par exemple prendre prime tout. Au compte distinction qu'on prend en 2008, dirigeant sportif de l'année. En 2012, où c'est IAAF vétéran PIN. Et puis non seulement ça, ou affilié comme membre conseil administration, membre conseil administration dans plusieurs bagages qu'a fait dans le pays d'Haïti qui rapport à aider moun. Alors c'est que son bail familial relié. Son bail familial relié. Par exemple, il y a deux ans, YMCA décerné le prix de modèle de l'année pour YMCA. YMCA, c'est des bails qui ont fait des aides à travers le monde. Donc, YMCA décerné une médaille, ça, il y a deux ans. Bon, à l'étranger, tout nous prend paquet de bagages, mais c'est pas la peine. Nous pas faire pour nous, c'est pour nous faire les donc c'est pas la peine de nous citer toutes les médailles ou bien les titres honorifiques que nous prenons. Ok. Mais qui ça qui satisfaction, là, que au fond, c'est une série de bagages qui par rapport au rien. Et parce que tout le monde a travaillé, au moins, pour me faire comme, pour me vivre à l'aise, il y a un affaire au dépens de l'autre. Ou même, où est que. Et c'est pas comme ça. Qui satisfaction et pour qui soit obligé de faire comme ça? Moi, je sais pas qu'on est l'aime, par exemple, Chita, et puis moi, mal son terrain, moi, j'ai la tête à m'entraîner, qui a sué, il a bail en voiture pour y arriver, et puis après, ça, je suis satisfait, je dis, Alain, we're gonna do it, we're gonna make it together. C'est plus de satisfaction que je gagne moi-même dans la vie. Ouais. Anecdote peut-être qu'on est capable de nous. Qui bagaille dans la vie que, ou ouais, que ou fait et l'or fait ou te gon certaines hésitations et mais l'or rive fait et pour un succès que l'autre monde a gagné ou bien succès vinn bay et pour dire qu'et m'a regrette que m'te rentré là est-ce que ou gagne un exemple ça ou capable ban nous mon cher m'a bon exemple pour moi même que do prend l'aime besoin c'est vraiment monter que aider monde c'est bagaille qui pique ça fait ses engagements bureau de sous Delma niveau Caracra 149 pour de Delma, c'est mon petit tonton qui était dans la rue, qui a suivi machine, et chaque fois que je suis venu, suivi machine, etc. Je suis venu à l'époque. Et M. Devine, beaucoup de mon jour, le dimanche, il a remis sur la rue, il a remis à l'école. Mon cher, c'est ainsi que je m'adopte petit petit ça, moi, payé l'école pour lui, monsieur, il veut graduer. Et l'enfilo, m'a payé une école technique pour lui, et mon cher,
plus grosse satisfaction, c'est que l'autre, après tremblement de terre, monsieur Hélène, monsieur dit, ça m'a fait pour vous, parce que monsieur était à l'étranger, après travailler très bien à l'étranger, monsieur dit, ça m'a fait pour moi, après tremblement de terre. Wow. Monsieur, monsieur, en forme, aider l'autre monde. Ouais. Donc, c'est le genre de bagaille que, et comme pas qu'à Baou, c'est Jean et Yéa qui pour bonne satisfaction, ça. Est-ce qu'on a un petit d'année? Moi, mon petit garçon l'a étudié en façon là, là, e-learning là, qu'on a là, donc, c'est livre, bah, ça me tout assez pour lui. Femme du l'enfant, il m'a valorisé ça en pile, lecture et apprendre. Donc, monsieur là, l'a payé sur le computer, il a travaillé sur devoir que l'apprend là. Et, non, mais on parlait de Pétionville, ou parlait de pays où, moun qu'on grandit avec yo. De temps qu'on t'a parlé à Jodia, il y a un pile changement qui fait dans le pays. Si vous avez une histoire de évolution et de progrès et qui fait dans Pétionville, qui sort et qui apprend moun yo. Des Pétionvillois, des moun qui pa moun Pétionville, des moun qui t'a remé contre pays d'Haïti et qui t'a remé contre Pétionville, qui sort et capable de partager avec yo de la coupe qui est ancienne dans Pétionville, que, qui t'a pa, capable très bon pour zone nan, et moun dans zone nan. Moi-même, songe que les petits mounes la coupe, surtout côté que les jalousies, c'est ton forel de. Ouais. Et chaque année à Pâques, nous te qu'on a le campé, l'embois, côté que te qu'on croit en l'air. Donc, moi-même, c'est un souvenir que me garder parce que chaque année, les petits la scout, nous te qu'on fait des campements, l'embois jalousie qui était en forêt à l'époque. Malheureusement, les jalousies dégradées, nous avons été accueillis qu'on y a. Même pour moi, même mon espoir toujours que nous reprenons le pays ça et nous faisons nous dans notre direction. Mm-hmm. Même anecdote, mais c'est ça. C'est l'ambiance que tu as gagné lors de ce monde dans la coupe. Et lors de fond des autres, n'importe grand monde a les oreilles au calot. Lors il fait un calot, lors il veut la calot pour un deuxième cal parce que vous quittez un grand monde et rappelez à l'autre. Donc c'est ambiance ça, on a gagné. Mon chef, mon mec qui était le Pedi Bestou qui m'a tiré les jeunesses, mais qui m'a tiré jeunesse en pile monde dans Pétionville et dans la coupe. N'importe monde Pétionville qui parle de Pedi Best Labdou. Malheureusement, pas là, je dis à mes soins, monde pour tout monde Pétionville est valorisé. Si nous avons Pirates, si nous avons Santos et nous avons l'autre équipe qui a fonctionné, c'est que c'est grâce à monsieur qui permet que nous capables de gagner Saint-Jean-Bosco à Jodia. Et toujours, on pépinier qui a aidé moun et supporté moun et investi dans le bien-être moun dans la zone ça et dans la coupe en général. Alors, c'est que, à part de moun ça que nous parlons, au niveau aller l'école, au niveau développement professionnel, qui est-ce qui influence ou qui permet qu'on arrive moun qu'on y est Jodia? Deux moun. Premier moun, c'est papa moi. Et deuxièmement, tu as des Français, des amis maman, des amis papa moi, qui ont justement une fondation avec maman, qui c'est un nec, le Michel Vaillot, qui c'est une retiré, une typique fortune française. L'or est nec, ça tellement travail au papa et salier. Et on a dit, monsieur, tu m'as nous pas le travail. Et puis, monsieur, maintenant, avec lui, nous faisons toute province, nous travaillons, nous construit. Mon cher, depuis lors, j'ai profession moi de ça pour me faire pour moun changer. Donc c'est deux moun ça qui influencé dans. Qui genre de moun que pas porter parce que si pas pour influencer parce que gien des bagages, gien des principes que moun nan ba ou et que jusqu'à présent observer avec lui dans vie ou et chaque jour peut-être gien yon bagage que moun nan te dou pas de importance il y a 10 ans, il y a 20 ans de ça ou dit ah monsieur t'es loin c'est qu'on y a me comprendre ça le dire. Qui genre de moun que pas porter? Mon cher papa me pour un bagage, papa me t'ai inculqué nous toute dans la famille l'éducation vaut tout bagage. Donc papa me fait tout mon étude, tout mon bon diplôme et papa me dit je dis l'amitié est un don sacré et papa me dit papa me t'al plus loin dit que ouais famille yo ba ou yo ou venyo là tandis que zanmi ou c'est ou choisi yo. Donc papa me toujours dit faut toujours fidèle en amitié parce que son choix il détermine qui est fouillé l'on compte qui est choisi comme zanmi. Donc, c'est une bagaille. Valeur sentimentale et valeur intellectuelle, c'est ça, papa, toujours inculqué, non? Et c'est ça qui guide nous aujourd'hui. Vous voyagez dans plusieurs pays, vous travaillez et étudiez dans plusieurs pays. Dans chaque pays, ça a qu'on passe, vous faites expérience et puis vous gardez le pays d'Haïti. Qui ça a trouvé qui de positif, la CAE, nous, en Haïti, qu'on pas joindre dans l'autre pays, yo, et que si vous joindre, vous avez droit beaucoup plus loin, et qui ça joindre la CAE, l'autre pays, yo, et si nous t'ai gagné et que nous t'a progressé positivement en façon plus rapide.
Mon cher, l'haïtien est un deux bagages que moi aimer qu'haïtien. Premièrement, c'est ça, les résilience nous. Et deuxièmement, c'est esprit d'initiative. Ma petite, employons mon créole français. Inventalité nous. Ça veut dire gens n'ont qu'une capacité pour inventer, pour nous un petit bagage et puis nous faire grandir, nous servir avec nous. C'est deux bagages que nous gagnons. Une bagage que nous manquons vraiment et que moi ouais dans plusieurs pays que si Haïti un jour Haïti frère bio réussit prendre n'a sorti pays dans sa vie c'est capacité nous à réfléchir et à être sérieux le jour par exemple nous décider que nous mettons petite discipline dans la caïman dans pays d'Haïti pays a changé du tout au rien la discipline moi pense que c'est une bagaille qui manque nous en pile. Et est-ce que vous considérez tout quand on y a un monde à succès? Parce que chaque monde a défini la façon par eux. Mais d'ailleurs, mais qu'on parlait de tête ou de expérience ou et peut-être c'est pas peut-être, monsieur est certain, ça pourra le dire après l'inspirer en pile monde qui jeune, monde qui n'a même l'âge avec vous, qui n'a même l'âge avec moi, ça cap permettre nous tout comprendre et ouais, on série de bagages différents. C'est ce qui ça que ça basé ou même si sous t'as dit ou son monde à succès. Je n'ai pas entendu la dernière partie de la. La dernière partie, si vous avez dit que c'est un monde qui a succès, qui sont capables de définir la façon par où. Bon, oui, moi j'ai un succès et la femme a fait, côté moi, arrivé. J'aime bien son discipline, et pas plus discipliné qu'on l'autre, mais quand même, mais bon, certaines disciplines, un minimum de discipline, je réussis à être financé. Ça permet de vivre côté moi, et ça permet de continuer de travailler avec le monde. Donc, moi, je souhaite encore une fois, si nous, les Haïtiens, nous mettons une discipline dans la caille, nous, on a privé très loin. Ça me donne rien à souhaiter pour le pays. Ok. Vous avez aimé que le monde soit concentré, prenne tout le bagage plus ou moins au sérieux et fait des plans. Et puis là, et succès à son bagage qui a venu parce que y a déjà gain résilience, y a déjà gain et sa créativité a déjà existé. Et au petit bail tout petit et puis y a vint faire d'une manière et grandiose. Alors pays à qui ça le représente pour? Ouais, en tout cas moi-même t'as souhaité que ensemble nous changer pays ça parce que pays ça a besoin et bras, l'esprit, tout le monde, tout petit en dedans ou petit dehors. Question que nous demandons tout à l'heure, c'est que nous retournons sous lit. Qui ça qui fait succès à part de discipline? Qui ça qui est important pour vous dans la vie? L'amitié et la famille. C'est deux bagages qui sont extrêmement importants. L'amitié et la famille. Parce que c'est ça. Le monde qui permet tout grandir, c'est le monde qui permet tout évoluer. Et c'est le monde qui permet tout réussir sans en fait. C'est eux qui supportent le système. Donc, pour moi-même, l'amitié et la famille, c'est deux bagages qui sont plus importants dans la vie. Et, il y a des jours où on doit lever et il y a un certain découragement, parce que l'on regarde des nouvelles, l'on regarde qui ça cap passé, et côté que on doit faire différemment, mais qui j'ai décidé de faire, et puis bah, la vie, et puis mal. Ou il y a une forme de découragement. L'on découragé, qui ça qui motive, qui fait que, ou dit qu'on s'est cassé, nous calme plus loin, nous calme plus loin, nous calme plus loin, nous continuons à faire. Qui ça qui source de motivation? Source de motivation, c'est deux bagailles. Un, moi toujours dis, j'aime y'a un monde qui est plus mal que moi. Donc, mon ça, c'est sous moi la garder pour l'avancer. Deuxièmement, moi, c'est un monde qui toujours est le verre à moitié rempli et non à moitié vide. Donc, moi toujours gain kick ça qui permet moi d'avancer. Et y'a une anecdote tout, et m'a dit nous, même qui est démentile. Et lorsque, par exemple, m'apprenne que des bon cancer, moi t'ai découragé, mais moi réfléchis, me dit si me quitte découragement pour ça pas mener trop loin, donc moi continuer bataille et esprit positif pour toujours mener moi qui guide moi qui fait là toujours. Alors c'est comment on y est là Kounia avec question cancer? Très pas rien découragement, toujours concentré du tout. One day at a time, et m'a poussé à venir. Ok, mais ça vient permettre qu'on voit la vie différemment. Peut-être nous avons un problème qui a un diagnostic là, qui prend le traitement, ou bien qui est dans le traitement tout, et qui sont capables de dire ça au moins, puis capables d'aborder d'une manière positive. Mental là à 80%. À guérir le monde. Le monde, c'est mental pour guérir à 80%.
Et je ne sais pas qu'on est en 2010 ou en Haïti, mais et tremblement de terre avec mental au monde, c'est une bagarre qui a aidé, ouais de l'avant, guéri de l'avant. Mm-hmm. Excusez-moi si, par exemple, je fais un rappel à la crise mondiale que nous avons passée actuellement, aujourd'hui, à là. Je pense que ça permet, pour moi-même, ça permet de nous avoir une idée différente de la vie et une idée différente de ça, nous y est. Tirer le meilleur de ça. N'a pas passé aujourd'hui pour nous aller de l'avant. Mmh. Qui leçon même que vous prenez de ça, vous capable de partager avec eux? Leçon que je prends de ça, c'est que nous ne pouvons pas voir. Sous la terre, nous ne pouvons pas voir. Faire le plus de bien, chaque fois, on a pour faire. Parce qu'on ne peut pas combien de temps on était. Deuxième bagaille, tout ça, on fait. Faire le bien, faire le pour le moment avec beaucoup de sincérité. Mmh. Oui, papa me dit, même si c'est chiant, on fait, faire le bien. Donc, et la sincérité dans sa affaire, si l'entête ou qu'on est sur affaire, bon, l'absolu positif. Jeux olympiques fin que postpone, yo cancelé. Peut-être année prochaine que yo pas gagné le titre, le bruité à là. Est-ce que c'est un bagage qui censé déranger ou et l'autre des nouvelles ça? Assurément, t'es athlète qui va le participer. Pas du tout. Moi-même, moi, j'aime dire là, du côté positif, ça permet de me préparer un an en plus avec athlète. Mm-hmm. Donc, athlète qui qualifie déjà, il y a un an en plus de préparation. Et l'autre, soit pas qualifié, est capable de venir des compétitions pour le qualifier. Alors, donc, que date pas sortie officielle matin, hein, mm-hmm. du 23 juillet au 8 août 2021, que les Olympiques athlètes. Mm-hmm. Alors, combien d'athlètes que vous avez qui peuvent participer dans... Jusqu'à présent, nous avons 4 athlètes qui qualifient. Mm-hmm. Un en judo, un en taekwondo, deux en athlétisme. Mm-hmm. Donc, c'est qualification pour deux lots en athlétisme, équipe football les masculin en absence et en compétition, et haltérophilie à boxe, après ces qualifications, on a plutôt noir pas le programmé pour pendant l'année 2021. Et je connais que économiquement, pas de gain comme, qu'on y a le pire toujours. Alors, qui genre de support, Alain, que vous avez recevoir de nations haïtiennes, de monde mit en kafouyo, de haïtiens et ordinaires qui veulent faire un travail extraordinaire, qui genre de aide que vous avez recevoir parce que faut moun yo commencer à entraîner, même si on est en confinement, ok, mais dans l'isolement, mais qui genre de support que vous avez recevoir pour capable aider moun sa yo, kembe moral yo d'abord, et non seulement ça, continuer avec l'entraînement yo. Bon, Fomjou, avant que j'ai remplacé le Premier ministre Jean-Michel Lapin, je te fais un ton extraordinaire à Comité Olympique pour athlètes. Mm-hmm. Donc, et nous-mêmes, nous avons des athlètes ici qui ont entraîné, Jean-Michel Lapin, c'est dans le Tropical Park là, ensemble, qui a entraîné. Nous avons entraîné un étranger avec 8 athlètes, et il faut nous payer l'installation. Qui coûte nous près de 1 200 à 1 400 $ par mois, dépendant. Plus nous gagnons gym pour nous prendre pour nous, nous gagnons docteur pour nous prendre pour nous, et entraîneur qui coûte nous entre 1 500 et 2 000 $ par mois, dépendant du nombre de séances d'entraînement que je fais par semaine avec athlète. Mm-hmm. Donc, et si nous faisons un petit calcul, nous gagnons 12 mois que côté nous allons dépenser 5 000 à 6 000 $ par mois. Et donc, ça fait nous gagnons près de 60 000 à 70 000 $ pour que nous avons cherché pour supporter athlète athlétique. En plus, nous avons chaque fois parti dans la compétition et qualification. Et nous sommes obligés de supporter, acheter billets d'avion, payer hôtel pour eux, etc., etc. Donc, j'espère que les gens qui ont attendu nous, ils ont aidé nous et supporter athlète. Et qui a pu prendre contact avec vous pour ça? Bon, carré le ou, ou même moi, pour avoir le téléphone. Moi, et puis, on a fait suivre. Et mi temps kafoua, c'est 305-557-2322. Vous avez un email, Manou, mi temps kafoua @gmail.com. Là, on est capable de mettre en contact avec M. Alain Jean-Pierre. Mais, il y a un bagage que tu as aimé, Mandou. Souvent, nous avons des athlètes qui décident aller pour le pays d'Haïti. Ce n'est pas seulement dans l'athlétisme, si vous parlez dans l'Olympique, vous choisissez dans n'importe qui catégorie que vous voulez aller, mais vous allez représenter le pays d'Haïti. Est-ce que, ou même si vous voulez récupérer, vous êtes capable de récupérer, et est-ce que c'est un bagage qui est difficile? Et son seul bagage, c'est pour un parent haïtien, minimum, mm-hmm. un parent haïtien. Donc depuis que un parent haïtien a décidé de venir pour Haïti, il écrit nous, et nous-mêmes, nous dépendant de performance, nous prenons, nous entraînons avec eux, nous supportons l'entraînement et nous menons les Jeux olympiques ou bien la qualification.
Mais gros problème que en pile la tête yo gagne tout. Yo dit yo vini comme exemple 6 ou 8 mois ou 10 mois avant jeux olympiques. Yo écrit yo dit t'aimer participer pour Haïti dans jeux olympiques. Mm-hmm. C'est pas comme ça le fait. Il y a tout un cycle sur les 4 ans pour dans différents championnats fois dans championnat centra-américain. Lorsque dans championnat centra-américain pour aller qualifier pour championnat panaméricain ou faire point pour continuer ou qualifier pour jeux olympiques. Ouais. Donc c'est pas la veille pour dire ah oui, envie parce que gain des standards de qualification, faut aller en compétition yo pour yo qualifier pour yo représenter. OK, c'est que moun n'a pas qu'à doit décider parce que le compte courir, il courit bien et puis là il représenter Haïti et puis il faut comité national olympique haïtien accepter et pour la courir. Alors c'est que non, exactement. C'est raison qui fait que m'a pose aux questions ça jodi a et m'ta aimer que ou clarifier et bail détails sur ça parce que des fois là nous pas compte nous pas gain information. Nous pas éduquer son série de bagaille, nous dit n'importe qui bagaille n'importe qui gens et c'est après nous vient dire ah c'est ma faute, c'est ma plus grande faute parce que me pas poser question. Et c'est une raison qui fait pour you moun ta vle participer. Est-ce que c'est un an à l'avance ou bien deux ans à l'avance pour le prendre contact avec nous pour le capable et dans question entraînement les puis et préqualification et qui gens pour ta faire démarche là. OK. Qu'est-ce qu'on appelle le cycle olympique qui est de 4 ans? Par exemple, nous parlons du prochain cycle olympique qui est supposé commencer en 2021 qui va finir en 2024. Il y a plusieurs compétitions qui fait pour arriver en 2024. Là, chaque compétition sera qualificative pour la prochaine étape. Donc, si on dit en 2024, on a besoin d'aller aux Jeux olympiques de Paris, faut 2021 commencer à participer pour Haïti ou commencer à qualifier ou commencer à entraîner. Et c'est pas un indice ou qu'on gourit et ou comprenez, vous allez maintenant dans le jeu. Mm-hmm. Donc, faut faire un temps minimum pour entrer, pour qualifier. Donc, nous demandons des gens qui sont intéressés à l'enjeu 2024, que commencer dès 2021, participer à la compétition pour Haïti avec des ligues Haïti, et jusqu'à ce que nous arrivions au jeu de 2024. Mm-hmm. Alors, c'est que si nous avons décidé de participer, est-ce que le comité olympique international là, a pas accepté que moun sa vienne participer pour Haïti sans problème ni gen drapeau et puis nous-mêmes nous censé mettre chapeau sous tête et tout et puis n'accepter pour participer. Tout à fait, bon faut le passeport haïtien bien entendu. Mm-hmm. Aussitôt que par exemple ils vont pas haïtien n'a fait passeport pour lui et puis au comité olympique et puis faut pas participer pour l'autre pays ou bien faut gagner 2 ans minimum que le pas participer pour l'autre pays. OK, on bien content qu'on dit ça. Alors faut gagner 2 ans minimum. Par exemple, si moun n'a participé, on dit que moun n'a participé kounya. Nous n'a et 2020. Moun n'a participé kounya pour l'autre pays, faut le temps 2022 pour venir participer pour Haïti, le café, c'est pas un problème. Exactement. La PQ, par exemple, disons que monsieur t'es joué là, t'es fait karaté par exemple. Mm-hmm. Pour exemple. Et pour les États-Unis. Donc monsieur a écrit et Fédération nationale karaté américain, là, dit bon, étant donné que l'État aimé à jouer pour Haïti comme les compagnons haïtiens, il pensait que la représenter Haïti mieux, il demandait pour Fédération américaine libérer pour la jouer pour Haïti. OK? Maintenant, si Fédération pas libérée, il y a 2 ans. Oui, Fédération doit libérer tout de suite. Mais si Fédération pas libérée, il faut attendre jusqu'en 2022 pour automatiquement venir pour Haïti. Mm-hmm. Et Haïtien aime sport, il aime athlète, il aime sport en général. Et nous avons dit qu'il plus branché sur le football. Mais toujours un manque de participation, ce qui a trait à une petite cotisation pour ça. Est-ce que ça t'a important pour haïtiens? Par exemple, si nous avons 12 millions ou bien 15 millions haïtiens, yo chaque tabay un dollar pour tailler des sports. Est-ce qu'on pas penser que son idée peut-être qui était pas bon parce que nous gampi l'athlète mais c'est moyen pour nous faire aller plus loin représenter pays à valoriser pays à manquer. Son excellente idée. Mabjou et m'a regardé par exemple en République dominicaine, gain des mon secteur privé qui décidé à monter un fonds, qui a monté une fondation. Mm-hmm. Et y a bay comme chaque année et c'est yo que j'ai comme là pour supporter les athlètes. Moi même tout par exemple si par exemple gain des monde par exemple que mitan ka fou décidé la fond et avec des monde avec des dons que la recevoir pour gérer pour aider athlètes yo seul bagaille nous même n'a bay athlètes yo n'a bay non athlètes pour supporter yo nous tout à fait disponible et disposé à faire ça. Aide nous veut que c'est mitan ka fou gérer et fond yo
nous pas besoin de comme là du tout. Ce bah, techniquement, on a dit bon, tel athlète parle dans telle compétition, tel ou bien tel entraînement, etc. etc. Et mitan ka fout ka gérer fond par exemple. Mm-hmm. Alors, Alain, avant que nous quittons Alain, est-ce que vous avez un bagage que vous avez partagé avec l'auditoire mitan ka fout pendant ce podium là? Et pour tout podium haïtien ordinaire qui a fait travail extraordinaire, même Jean Avoyo, que vous avez aimé et partagé avec vous avant que vous allez? Peut-être que je ne pose pas aux questions. Bon, il faut que nous tous nous en étions ensemble. Et chaque haïtien, pour moi-même, son héros. Chaque haïtien, donc Pierre, que le cas est que nous devons apporter à la construction de notre nation. Construction nation, bah, descendant en Haïti, que l'on pense, etc. Non. Construction nation, c'est que ou font bagaille et ou marquer tant ou marquer passage dans tel ou tel domaine. Donc, c'est ça que la construction d'une nation. Mm-hmm. Ouais. Donc, pour moi-même, c'est ça me paraît. Eh bien, Alain, Nabdou, merci pour la participation dans Mitan ka fwa. N'a pas rappelé tout le monde que ou son rôle modèle pour nous. Et non seulement ça, rôle modèle, presque toute famille, et participer dans la promotion de tête, non? Promotion l'autre monde yo connait bien-être tout le monde et sous cas pour voir les qualifications gagnées sous cas arrêté pour notre tête comité olympique haïtien et jusqu'à présent seulement pour faire pour la promotion des autres mon cher moi valoriser dans mitan ka fwa jodi a est-ce que gagne de toi l'autre monde qui aide ou dans mouvement ça que ou t'as profité et nous t'as profité valoriser avant que nous aller. Bon, ben, et remercier notre membre du comité olympique haïtien. Tout membre du comité de l'équipe qui a fait un travail extraordinaire de volontariat pour m'aider les jeunes dans le pays. Eh bien, nous valoriser dans mitan ka fwa. Alain, nous vous remercions pour participation dans mitan ka fwa. On a appelé tout le monde, faisons bien avec nous. Et sur Facebook, suivez-nous sur Facebook. Et puis, enregistrez, abonnez, subscribe dans la chaîne YouTube mitan ka fwa. Voyons un petit email ban nous mitankafwa@gmail.com ou bien doit voyons un petit message pour nous quittons un message vocal pour nous dans 305 557 23 22 ça nous fait dans mitankafwa nous valoriser tout haïtien ordinaire qui font travail extraordinaire des monde qui humble même j'ai avec Alain Jean-Pierre qui pas aimer parler de tête yo mais ça fait nous plaisir le nous chercher et puis yo décider ban nous 15 ou 30 minutes ou une heure de temps ça fait nous plaisir en pile Alain nous valoriser dans mitankafwa mais avant qu'on aller est-ce qu'on dit ensemble avec on continue valoriser tête nous dans mitan ka fwa et bien allez nous disons merci et continuez faire ça à faire nous valoriser moi même qui vous remercie ou même tout faut valoriser tête nous parce que le travail on fait à son travail énorme mon ne pas comprendre ça mais son travail énorme le fait quoi et chercher monde qui fait bagaille et qui valorise haïtien ou même tout compliment mitan ka fwa n'a pas n'a bouler n'a pousser pour nous apprécions ça. Merci beaucoup. Bonne journée, frère.